Show.com. On appelle Ronnie Doll. Ronnie Doll est là, voilà. C'est lui qui va présenter la catégorie meilleur rappeur. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je ne peux pas remarquer l'enveloppe l'enfermée. Ok. Et voilà, Fop Noël. Et ça qui est dans cette catégorie meilleur rappeur, je vais dire nous, qui est-ce qui sorti gagnant? On appelle l'ingénieur Frisner. Frisner André, c'est en fait Frisner André a prié justement de se mettre prêt. Et ensuite, on va aussi appeler Yves Nerbelizer. S'ils sont là, on leur demande de se rapprocher pour nous, s'il vous plaît. Catégorie, meilleur rappeur, Ken FS, Johnny Stahl, Fede Magic, Lifeman. Qui est-ce? Public a voté Ken FS. Et c'est Ken FS qui sorti meilleur rappeur. Ken FS, je vous demande de l'applaudir au bonheur, s'il vous plaît. C'est un artiste qui a beaucoup de talent. Et il est très talentueux. Et comme je ne cesserai jamais de le dire, c'est un monsieur qui a marqué et son temps. Est-ce qu'il paraît, il n'est pas là? Non? Il est là? Ok, il est représenté par qui? Ken FS, à ce qu'il paraît. Voilà. L'on continue. On continue la route. On fait aussi appel à M. Chavan Lérissé. C'est lui qui va présenter la catégorie de meilleure musique rap. M. Chavan Lérissé, eh bien, il s'amène. Et ingénieur Frisner est déjà là. M. Yves Nerbelizer est déjà là. Ah oui, il y a M. Yves Nerbelizer qui va recevoir le trophée de Ken FS. Eh bien, Ken FS qui n'est pas là avec nous, mais quand même, il s'est fait présenter par Yves Nerbelizer, eh bien, l'animateur de Planète Compas. Bonsoir à tout le monde, son plaisir. Nous connaissons bien Ken FS et M. Occupé. Il ne pourrait pas présent, en fait. Parce que son bail bien mérité lié. Si toutefois, je dis à la Ken FS qui a campé Jean le campé, c'est grâce à nous, Port de Paix. Je vais nous pour un gros applaudissement pour Ken FS. Rescapé, même histoire de Johnny Stahl, même histoire de Ken FS, et puis il a atterri. Merci tout le monde. Merci Yvener. Eh bien, Ken FS, comme je vous l'ai dit, c'est un artiste, moi personnellement, que j'aime beaucoup. Surtout, il touche des sujets assez intéressants.